Sectionnel au programme, je vois que Franck Sauzet est bien installé, il a sa petite couverture, on va bientôt pouvoir commencer. Je vous laisse prendre connaissance de la composition de l'équipe locale. Alors pour ce qui est de la tactique et de l'animation, l'entraîneur a choisi un 4-3-3. Visiteuse alignée par l'entraîneur. L'entraîneur qui a choisi d'aligner ses joueurs en 4-4-2 avec un milieu en losange. Le stade Azteca, le stade Aztec, 105 000 places et qui a une riche et belle histoire. Et c'est là que Maradona a marqué notamment son but de la main, mais aussi son but extraordinaire à l'issue d'un slalom de folie et les deux face à l'Angleterre. 1986. Le coup d'envoi a donné à l'instant. Guardado. Moi, ça circule bien. Elle a tenté sa chance de loin, mais il n'inquiétera pas le gardien. Ben, il aime bien prendre sa chance là, comme ça. Et souvent, ça paye en plus. Guardado. Raúl Jiménez. Ballon pas trop compliqué à reprendre finalement. Guardado. Allez, touche, on est dans les 30 derniers mètres. Ils sont nombreux. Oh, il ne faut pas gâcher ce ballon. Et le ballon qui est sorti. Sorti de but. De porter le danger dans la surface avec cette touche. Non, ça n'ira pas plus loin. Et le gardien qui va tenter de l'arrêter, il n'y a plus que lui. Est-ce que c'est un bon centre? Ouais, une, deux. Attention, la frappe. Oh, il y croyait sur cette action. Ouais, il se voyait bien marqué, en effet. Il a tout de suite regardé vers son banc. Guardado, ça tourne bien en ce moment. L'attaque qui est finalement enrayée par la défense. Et les passes qui s'enchaînent, il y a toujours une solution pour le porteur. Ça
a bouclé finalement cette perte de balle. Bon ballon d'attaque. Il récupère le ballon sur ce bon tacle. Raúl Jiménez. Votre sentiment sur ce qu'il peut apporter dans ce match, Franck? C'est le genre d'attaquant que les milieux adorent. Toujours à essayer de se démarquer, à apporter des solutions. Guardado. Attention, la frappe! C'est ballon qui est contré. Et qui sera le premier sur ce ballon? Allez, on dégage loin devant. Oh, ça peut donner quelque chose là parce qu'ils sont en surnombre. Elle dégage du point. Et elle va protéger son ballon. Le centre pour le gardien qui effectue une très bonne prise de balle. Ça continue. Oh, le tir. Et ça va au fond. Ce but, il vient peut-être au meilleur moment, juste avant la pause. Et c'est sûr que ça permet de rentrer au vestiaire avec un petit surplus de confiance. Là, hein. Ça simplifie la pause d'un premier, c'est sûr. Le réalisateur qui nous montre le but sous un autre angle. Cette ouverture du score, ça fait 1-0. L'arbitre qui avait compté 2 minutes de temps additionnel. Peut-être le but. Et il rate l'égalisation. Il a le temps d'être sifflé par l'arbitre sur ce score extrêmement serré. Un seul petit but d'écart, c'est peu. Tout reste possible en seconde période. Bon, bonne prestation de ce joueur dans cette première période. Eh bien, il a eu le mérite de donner l'avantage à son équipe juste avant la pause. Ça change toute la physionomie de la seconde période. On n'est pas au bout de nos surprises. Son équipe en difficulté, le changement tactique est peut-être ce qui manquait à ces joueurs. Et c'est donc parti pour la seconde période. Pas très bien joué ce contrôle. Corona.
Et l'entraîneur de l'équipe à domicile qui va faire rentrer du 109. Ballon perdu. Et en passe. Excellente intervention du défenseur, bien joué. Et l'arbitre accorde un coup franc. Et l'entraîneur qui apporte du 109 à son équipe avec un changement. Pas très loin des 18 mètres. Un changement demandé par l'entraîneur qui essaye de verrouiller un peu son système pour préserver le résultat. Le joueur qui sort, on ne peut pas dire qu'il était tout très heureux dans ce match. Il n'a pas vraiment réussi à ce qu'il voulait faire. Guardado. Corona. La frappe. Oh oui, ça rentre. Somme toute logique, Franck. Hein. Sur le papier, cette équipe est déjà plus forte. Il a pris le match par le bon bout et ça finit par payer. Tiens, regardez, un nouvel angle de vue pour apprécier ce but. Ils ont à présent une avance confortable. Alors, touche longue, touche courte. Un ballon perdu. Thomas Vela. Une bonne lecture du jeu hein, sur ce centre.
Et le gardien qui se décide. Oh, quelle occasion! Il n'y a pas de problème pour le gardien de cette distance. Mais vous savez, Hervé, qu'il a déjà marqué de là. Hein. Il a eu raison de tenter sa chance. C'est pas faux. On va procéder à un changement. Récupère le ballon sur ce bon tacle. Un remplaçant qui est prêt à faire son entrée sur le terrain devant son public. Et le ballon qui va changer de possession. Décide de prendre sa chance. On ne se pose pas de questions loin devant. Pour jouer la touche. Un changement avec un joueur qui va rentrer, un joueur frais. Sans souci pour le gardien, cette frappe non cadrée. Il va y avoir un changement. Rentrer un défenseur supplémentaire alors qu'ils sont en train de perdre ce match. Ben alors là, je sais pas trop. Alors, c'est pas trop un coup de poker. Hein ouais, enfin, quel coup. Guardado. Oui, bien pris. Corona. Guardado. Carlos Vela. Ouais, ça va pouvoir donner un beau centre, ça. Guardado. Guardado. Une marque de la tête. Oh, le défenseur, ils ont intérêt à ne pas le lâcher aujourd'hui. Deux buts déjà pour lui.
assez dur pour l'adversaire. Mais une chose est sûre, en tout cas, ils n'ont pas voulu leur victoire. On verra peut-être mieux ce qui s'est passé hein, sous un autre angle. Dans ce match, évidemment, ce match amical qui se termine donc sur cette victoire facile. Il n'y a pas eu beaucoup de suspense. Non, on a tout de suite vu que l'écart était trop grand entre ces deux sélections aujourd'hui. Je m'attendais à un peu plus de résistance à tout de même. À ce match amical qui se termine donc sur cette superbe victoire, ils étaient trop forts. Rien à dire en effet. Leur supériorité était flagrante dans quasiment tous les compartiments du jeu. Le score est logique.